Tricœur l'a compris. Ses enfants sont sans mère. Plus de mère au logis. Et la père est bien loin. Une vieille servante, alors, en a pris soin. Les petits sont tout seuls dans la maison glacée. Orphelins de 4 ans, voilà quand leur pensée s'éveille par degrés, un souvenir riant. C'est comme un chapelet qu'on égrène en priant. Ah, quel beau matin, que ce matin des étreintes. Chacun, pendant la nuit, avait rêvé des siennes. Dans quelques songes étranges, l'on voyait joujou, bonbons habillés d'or, étincelants bijoux, tourbillonner, danser une danse sonore, puis fuir sous les rideaux, puis reparaître encore. On s'éveillait matin, on se levait joyeux, la lèvre à friander, en se frottant les yeux. On allait, les cheveux emmêlés sur la tête, les yeux tout rayonnants, comme au grand jour de fête, les petits pieds nus effleurant le plancher, aux portes des parents tout doucement touchés. On entrait, puis alors les souhaits en chemise. Les baisers répétés et la gaieté permise.